sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Shalom peuple de Dieu, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre serviteur Mathieu, c'est votre frère, c'est votre pasteur Mathieu. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien. Béni soit le Seigneur d'avoir encore une fois permis que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année. Et c'est une fois encore une opportunité, c'est une fois encore la possibilité de nous réconcilier avec lui. Si Dieu permet qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle année, c'est qu'il nous accorde encore cette possibilité de nous réconcilier avec lui, pour ceux celles qui ne sont pas encore réconciliés avec le Dieu, ou tout simplement de revoir notre vie, notre marche, et de pouvoir marcher dans sa pleine volonté. Béni soit le Seigneur pour ce moment encore qu'il permet. Donc je bénis vraiment le Seigneur de toujours être avec moi, de toujours me permettre de faire son œuvre, de pouvoir le servir. C'est pour lui que je fais toutes ces choses-là. Et en toute humilité, je lui rends grâce, je lui dis merci pour cela. Et que sa main agit, continue d'agir. Et que toutes les personnes qui soutiennent le ministère que je conduis par la grâce de Dieu puissent être abondamment bénies et que son nom soit glorifié. Nous sommes que des hommes au service, nous sommes que des serviteurs inutiles. Toute la gloire revient à Dieu et non à Mathieu et non à mon ministère. Mais la gloire est à Jésus, car c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui nous change et non Mathieu. Alors, Dieu a permis que nous puissions donc voir de nos propres yeux janvier 2022. Et donc, j'entame ce matin à vous partager. J'espère que cela va vous fortifier, mais je pense que ça va vous fortifier, ça va énormément vous édifier. En tout cas, je l'espère. Prenons le livre de Malachie. Le chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ?» Bien-aimés, chers amis, chers frères, chers sœurs, peuple de Dieu, en cette nouvelle année 2022 qui débute, je ne peux que vous exhorter de vous réconcilier avec votre Dieu, avec notre Créateur. La Bible dit ici dans Malachie chapitre 3, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Bien-aimés, nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens n'aiment pas Dieu, où les gens n'aiment plus Dieu. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où chacun veut faire tout simplement ce qu'il veut en fait. Nous sommes dans une génération où les gens marchent selon leur propre raisonnement, marchent leur propre principe, marchent selon leur propre Dieu. Les gens ne cherche plus à marcher dans la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la prescription de Dieu. Dieu n'intéresse plus les gens. Et nous sommes dans une génération où les gens ont peut-être eu la possibilité de se réconcilier avec le Seigneur, mais n'ont aucune vie avec Dieu. Puisque connaître Dieu, avoir Dieu dans sa vie, c'est une vie en fait. Et les gens disent qu'ils aiment, qu'ils se sont réconciliés avec Dieu, mais au moins en réalité aucune vie avec Dieu. Nous sommes dans une génération où, au lieu que les gens cherchent à marcher dans la volonté de Dieu, c'est plutôt les dénominations, la religion et toutes ces formes de doctrine qui se développent en fait. Au lieu d'adorer Dieu, les gens adorent l'homme. Au lieu d'adorer Dieu, les gens adorent les églises. Au lieu d'adorer Dieu, les gens adorent,
la religion. Or, Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Ce que Dieu attend de chaque être humain, c'est de pouvoir avoir une relation personnelle et individuelle. Voilà la véritable vie que Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, que Dieu souhaiterait qu'on puisse vivre. Dieu veut être à la fois, n'est-ce pas, ton Dieu, mais il veut également être ton ami. Il veut être ton père. Il veut être, on va dire, ton confident. Dieu veut être tout. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Si en 2021, tu n'as pas observé les ordonnances de Dieu, si en 2021, tu n'as pas, tu t'es écarté des ordonnances de Dieu, si en 2021, n'est-ce pas, tu n'as pas observé la voix de Dieu, bien-aimé, il est temps de faire un point. J'exhorte donc le peuple de Dieu à véritablement, pour ceux, celles qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu, à se réconcilier avec Dieu en 2022. Et se réconcilier avec Dieu, ce n'est pas simplement « oui, je crois en Dieu », ce n'est pas une question de « je crois en Dieu », c'est une question de vie. Et donc, en 2022, j'exhorte le peuple de Dieu à avoir une vie véritable avec Dieu. Avoir une vie véritable avec Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu, dans les ordonnances de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Comme Malachie chapitre 3 le dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu veut se réconcilier avec chacun d'entre nous. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre philosophie, quelle que soit notre idéologie, ce que Dieu recherche, ce que Dieu a envie, c'est de se réconcilier avec chacun d'entre nous. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'en 2022, tu veux réellement te réconcilier avec ce Dieu? Et comme je le disais depuis tout à l'heure, se réconcilier avec Dieu n'est pas simplement dans les lèvres, n'est pas simplement une question de « je me suis réconcilié avec Dieu ». C'est une question de vie, de tous les jours. Depuis que le monde existe, depuis que nos aïeux, nos pères se sont écartés de Dieu, est-ce que toi, tu es toujours éloigné de Dieu? C'est la véritable question. Et donc, j'exhorte pour cette année 2022 à ce qu'on puisse revenir sur les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on puisse se réconcilier et marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'année 2022, tu as fait des projets sans Dieu, si l'année 2021, tu t'es marié sans Dieu, si l'année 2021, tu as eu un travail sans Dieu, je t'exhorte, chers amis, je t'exhorte, chers parents, je t'exhorte, bien-aimés, peuple de Dieu, à mettre Dieu dans tes projets, à mettre Dieu dans ton foyer, à mettre Dieu dans ton mariage, à mettre Dieu dans ta vie professionnelle, hein, n'est-ce pas? À mettre Dieu en toutes choses. Et mon ami, tu ne seras pas déçu. Vous savez, être avec Dieu n'est pas synonyme de richesse. C'est pas parce que beaucoup pensent que avoir Dieu dans leur vie, tout sera toujours rose. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Voyez-vous, les gens ont une mauvaise incompréhension de la réconciliation avec Dieu. Les gens ont une mauvaise compréhension de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Les gens pensent être enfant de Dieu, ben en fait tout sera toujours rose. Hein? C'est pas toujours ça en fait. C'est pas toujours ça parce que la chose la plus importante est de se réconcilier avec Dieu et de pouvoir être sauvé. De pouvoir sauver son âme, c'est d'abord la chose la plus importante. Mon ami, frère, sœur, ne cherche pas Dieu parce que tu veux juste avoir la bénédiction de Dieu en 2022. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux simplement avoir un boulot. Ne cherche pas Dieu en 2022 parce que tu veux le mariage.
Ne cherche pas Dieu en 2022 parce que tu veux des enfants. Ne cherche pas Dieu en 2022 parce que tu veux la guérison. Mon ami, ta priorité, la première raison pour laquelle tu dois chercher Dieu, c'est d'abord, n'est-ce pas, te réconcilier avec lui, de pouvoir renouer ta relation avec ton Dieu. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est de se réconcilier avec nous. La Bible déclare que la grâce de Dieu est ouverte à tous. Mais est-ce que tu as répondu favorablement à cette grâce? Bien-aimé, en 2022, j'appelle à votre bon sens. J'appelle à votre sagesse à répondre favorablement à l'appel de Dieu en 2022. Croyez-moi. Mettez Dieu dans vos vies, dans vos projets, dans vos familles, en toutes choses, et vous ne serez point déçus. Dans Malachie chapitre 3, le verset 14, la Bible dit, « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ?» Voyez-vous aussi, je relis encore le verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes? Ne viens pas en Dieu parce que tu as quelque chose à gagner. Ne viens pas en Dieu parce que tu attends quelque chose de Dieu. Viens en Dieu parce que tu reconnais qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Créateur, qu'il est ton Père, qu'il est ton Sauveur. C'est ça la véritable ou les véritables raisons qui, les choses qui doivent vous pousser à nous réconcilier avec Christ. Et 2022 doit être le moment pour toi, parce que si Dieu permet que tu puisses voir cette année, c'est pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu l'occasion ou cette possibilité, cette grâce de vivre cette nouvelle année. Hein? Aujourd'hui, tu as la santé, tu as vu cette nouvelle année. C'est une possibilité, c'est une opportunité que Dieu t'accorde pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Ah, parce que si tu meurs, c'est fini, hein, mon ami. Donc, n'attendons pas la mort avant de nous réconcilier avec Dieu. N'attendons pas les mauvais jours, n'est-ce pas, avant de nous réconcilier avec ce Dieu bien-aimé. Amen. Prenons le livre de Somme, chapitre 118, le verset 9. La Bible dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Peuple de Dieu, frères et sœurs, amis, parents, je nous exhorte tous, toutes, à chercher un refuge. Et le refuge, c'est le refuge de l'Éternel. Que Dieu soit ton refuge en cette nouvelle année 2022 qui vient juste de débuter. Que Dieu soit ton refuge en toutes choses. La Bible déclare dans Psaume 118, le verset 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier, n'est-ce pas, aux grands. N'est-ce pas? Ce n'est pas les alcools qui changeront ta vie. Ce n'est pas les hommes qui changeront ta vie. Ce n'est pas les boîtes de nuit qui changeront ta vie. Ce n'est pas la religion qui changera ta vie. Ce n'est pas les belles voitures, les belles femmes qui changeront ta vie. Ce qui changera ta vie, c'est Dieu. Ce qui changera ta vie, mon ami, c'est Dieu. Dieu seul pourra changer ta vie. Jérémie chapitre 33, le verset 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque Dieu en cette année 2022. Dieu veut que tu sois le prophète ou la prophétesse de ta famille. Lorsqu'on répond favorablement à la grâce de Dieu, à l'appel de Dieu, Dieu fait de nous des prophètes. C'est-à-dire que Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous révèle des choses qui sont cachées. Dieu nous révèle des choses qu'on ne connaît pas. Dieu te révèle, si dans ta famille tu ne peux pas te marier, Dieu te révèle pourquoi tu ne peux pas te marier et ce qu'il faut faire pour que tu brises le lien qui t'empêche de te marier.
Si en 2022, tu ne peux pas concevoir, Dieu t'appelle en tant que prophète ou prophétesse de ta famille. Dieu te révèle la raison ou les raisons pour lesquelles tu ne peux pas concevoir. Et Dieu te montre ce qu'il faut faire pour que tu brises le lien, ce lien qui t'empêche de concevoir. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu réponds favorablement à la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu te fait? Dieu te révèle les choses qui sont cachées dans ta famille, les choses qui sont cachées dans ta vie, les choses qui t'empêchent d'avancer, les choses qui t'empêchent d'évoluer, les choses qui t'empêchent de prospérer, les choses qui t'empêchent de pouvoir aller ou aller au-delà de ce que tu as l'habitude de vivre. Tu deviens automatiquement le prophète de Dieu ou la prophétesse de Dieu. Bien-aimé, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut te révéler qu'en 2022, qu'il a un boulot pour toi. Dieu veut te révéler en 2022 qu'il a un mariage pour toi. Dieu veut te révéler en 2022 qu'il a des enfants, même des jumeaux pour toi. Mais tu passes ton temps à aller de maraboutage en maraboutage, à aller voir les marabouts. Tu passes ton temps à aller payer des hommes qui ne peuvent pas t'apporter une solution. Tu passes ton temps à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors que la solution est sous tes yeux. La seule solution, celui qui te permettra de concevoir, celui qui te permettra de pouvoir avancer, celui qui te permettra de pouvoir te marier, celui qui te permettra de pouvoir, n'est-ce pas, guérir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite en cette année 2022 à chercher ce Dieu, à invoquer ce Dieu, car sa parole déclare que celui ou celle qu'il invoque, n'est-ce pas, il répond à cette personne. Lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu appelles Dieu de manière sincère, de manière vraie, bien aimé, il répondra favorablement, n'est-ce pas, à il est capable de tout. Rien n'est à tes pleurs, à tes prières, il va répondre, bien aimé. Et donc en 2022, j'aimerais te dire que ne va plus chercher des solutions qui ne t'apportent pas, des personnes qui ne t'apportent pas les solutions. Tu dépenses pour rien, tu paies ton temps pour rien. La seule solution pour toi en 2022, c'est de pouvoir marcher dans les voies de Dieu, dans les préceptions, dans la volonté de Dieu, dans les projets de Dieu. Alléluia. Voilà un petit peu ce que j'aimerais vous dire en cette année 2022. La Bible déclare, prenons le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2 « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Est-ce que tu veux réussir en cette nouvelle année? Si tu veux réussir en cette nouvelle année, il y a une seule solution. Hein? La seule solution est, n'est-ce pas, de... de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la prière, dans les enseignements, que ta vie glorifie Dieu, ce que tu fais glorifie Dieu, que tu marches dans les principes et les valeurs, n'est-ce pas, de Christ. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais, en cette année, vous encourager à aller dans ce sens-là et vous verrez que votre vie changera. Si votre vie ne change pas après avoir observé ces choses-là, bien-aimé, revenez me voir et dites-moi que j'ai observé tout ce que tu as dit et rien n'a marché. Bien-aimé, ce jour-là, je confesserai que j'adore pas un Dieu réel. Et parce que je sais le Dieu que j'adore, parce que j'ai confiance en mon Dieu, parce que j'ai confiance en Yahushua, en Yahweh, en Adonai, en je suis, je sais qu'il agira. Et donc, j'appelle au bon sens de chacun.
recherchez Dieu, à chercher Dieu et rechercher Dieu dans votre vie, dans vos projets, et vous verrez que votre vie changera. Et la chose la plus importante, c'est surtout que vous allez sauver votre âme. C'est la chose la plus importante. Et donc, si vous permettez, j'aimerais donc, bénir ceux, celles qui ont cette volonté de pouvoir rechercher Dieu, qui ont cette volonté de pouvoir marcher dans la voie de Dieu, que ta vie change en 2022. Et toi qui hésites encore, que tu puisses faire le pas, de pouvoir te reconcilier avec Dieu, et tu verras que ta vie changera. Avoir Dieu dans sa vie, c'est pas une question de coutume, de couleur de peau. Voilà, c'est une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? Tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Tu dois te réconcilier avec ton Créateur. Tu dois te réconcilier avec ton Sauveur. Car Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, bien-aimés. Et n'abandonnez pas Dieu. Marchez dans les voies de Dieu pour en cette année 2022. Et vous verrez du changement. Soyez bénis. Shalom, shalom.